Je vais l'appeler. Je pense que les vrais voice qu'elle devait m'envoyer, c'était ça. Je l'appelle. Hein. Je l'appelle. Je l'appelle. Merci de partager le live. Je vais appeler la concernée. On allait écouter. Elle va donner sa version. Je l'appelle là, elle va s'exprimer, elle vient de me répondre que ok. J'ai demandé que je l'appelle, elle a dit oui. Je l'appelle. Je lui dis de ne pas lire les commentaires. Par contre, de ne pas lire les commentaires, de s'exprimer sans lire les commentaires. Je vais t'appeler de suite, ne regarde pas les commentaires. Déplace-toi, tu montes dans la chambre en haut ou tu vas au salon en bas. Il faut que tu sois loin, il ne faut pas regarder les commentaires ni les autres téléphones. Je suis en train d'écrire que les gens attendent qu'elle réagisse, qu'elle s'exprime. Alors, tu ne peux pas parler un truc comme si tu étais là. Moi, c'est ce qu'elle m'a rapporté. Maintenant, elle-même va s'exprimer. Je suis en train d'envoyer le message qu'elle décroche, non? Qu'elle décroche, non? Elle nous parle de son argent. J'avais parlé ma part, j'ai pleuré. Comme ça, elle nous explique aussi pour son argent, puisqu'ils avaient parlé derrière. Je n'étais pas là. Je n'étais pas présente. Qu'elle vient parler, non? Viens parler. Ou bien je laisse demain, tu passes chez Tani. Tu t'exprimes ou tu vas passer chez Tani. Elle ne prend pas. Et je la vois en ligne. Attends, je l'appelle en normal. Qu'elle vient réclamer son argent, le monde entier écoute.
Le monde entier écoute. Il faut que tu exprimes. Il faut que le monde entier écoute. Viens parler. Tu m'as dit que tu voulais. Il faut que tu viennes parler, non? Comme ça, le monde entier écoute. Comment tu t'exprimes? Pour ton argent. Moi, j'avais réclamé ma part. J'ai pleuré pour mon argent. J'assume. Donc, on va taper un peu le juste le divers pour. À la réunion, j'étais celle qui payait beaucoup le retard. J'ai laissé mon argent là-bas. Les retards, oh, les sociaux, j'ai compris que il n'y a pas l'argent. Comme j'arrivais toujours en retard à la réunion, si elle m'avait dit le jour-là qu'elle n'a pas eu son argent, la réunion-là, personne ne sortait le jour-là. Oui. Le jour-là, ça n'allait pas se finir comme ça. Ces réunions, j'ai bagarré là-bas. Mes chefs et sœurs, la Roupéro, la Roupéro de la présidence, je suis à la réunion, la Roupéro de la présidence était une ex-amie. La Roupéro de la présidence, quand j'arrive en retard, c'est la Roupéro qui se met debout pour faire comme si c'était la présidente de la réunion. Je lui ai dit que, mais attends, toi tu es présent à la réunion, j'arrive en retard, c'est toi, quand quelqu'un veut parler à la présidente de la réunion, c'est Roupéro qui se met dehors, devant pour parler. Roupéro m'a fait une fois, j'ai laissé. Deux fois, j'ai laissé. Un jour, j'étais là avec, on était sur la table, la présidente de la réunion a dit que je viens m'asseoir à côté d'elle parce qu'on voulait, on devait causer. La Roupéro, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a parlé mal que ou bien quoi là. J'ai porté l'argent. J'ai versé sur elle. La bagarre a commencé dans la réunion, dans le Njangi. Je dis à Roupéro, Roupéro me dit que tu es qui? Je dis que tu dis à qui que tu es qui? Tu es qui? Parce que je dis à Roupéro que Roupéro, on est en train de parler à la présidente de la réunion. Toi, tu te lèves. Tu ne fais que parler comme si tu aimes la présidente. Toi, Roupéro, tu aimes la présidente plus que qui? Moi, j'ai prouvé mon amour pour eux. Et tout le monde le sait. Donc, tout ce qui jacasse autour de là, qui jacasse, ça, c'est les jacassements, mon frère. C'est les jacassements. Ils ne seront jamais la maf ou la PDG internationale. C'est qui faisait le griot de la richesse de la présidente. Puisque c'est moi qui faisais le griot de la richesse. Roupéro, je n'ai rien fait. Il y a Mamouchka qui est en Angleterre, qui vend les condiments. J'avais appelé pour qu'elle envoie sa vendeuse de Paris nous livrer les condiments. D'ailleurs, ces condiments sont très bien. J'arrive à Roupéro, elle me demande les 10 euros tout le temps. Je dis à Roupéro que moi, de chaud, elle me demande, je dépends la Roupéro, même les 50 euros, les 20 euros, les 30 euros. Maman, une femme qui demande tout l'argent à une autre femme, ça veut dire quoi? Le jour là, la présidente a payé un paquet de condiments de 10 euros à Roupéro. J'ai payé un paquet de condiments à Roupéro. Ça fait deux paquets de condiments. On a pris les condiments et tout, on était là. Après la présidente, on devait faire un truc, une vidéo là à deux. Je me lève pour traverser. Roupéro est en direct, en train de faire son direct. Je lui dis que coupe ton direct parce que nous sommes à la réunion. Quand on est dans la réunion, on ne fait pas le direct. Parce que dans la réunion, on peut être en train de faire le Congo. Ça, il ne faut pas qu'il y ait fuite. On est d'accord. Roupéro est en train de faire son direct avec ses un fan là. C'est deux personnes qui la regardent. Je dis à Roupéro que, mais attends, je dis à Président que, mais Roupéro est en train de faire. Elle est en train de faire le direct. Qu'elle coupe. Quand je dis que coupe alors Roupéro, direct. Elle se lève. Elle veut jacasser à côté de moi. J'étais en train de jonger. J'ai versé sur Roupéro. La réunion à Tchakala, le même jour, ça à Tchakala. Roupéro a commencé à m'insulter que tu es qui. J'ai dit à Roupéro que c'était ce soprano. J'ai dit que Roupéro, descendons en bas. Je vais te montrer que je ne suis pas forte, non. Mais je vais te montrer que Roupéro, descendons que en bas, tcham. Même les gens de Mamouchka, maman, une maf au bagarre, une fille comme moi qui se respecte. Je pars à une réunion, j'étais bien habillée, je joue la classe et tout, j'étais là, une Roupéro me cherche les problèmes, mes gens. Même la présidente a dit que, ouais, c'est toi, tu es la maf, regarde, si c'est toi qu'on filme, c'est toi qui paie. Parce que Roupéro dit qu'elle, on la connaît, elle s'en fout. Que c'est moi qu'on connaît et que
Je vais sauf que voir ce qu'elle va faire. J'ai dit qu'elle supprime le Dieu parce qu'elle m'insultait, non. Quand l'enchaînement a commencé, elle était encore en direct. J'ai dit qu'arrachez son portable, vous supprimez. Elle dit qu'elle s'en veut. Roupé, on dit que c'est toi qu'on connaît. Tu es star de quoi? Tu es qui? Tu as quoi? Tu n'as rien. Roupé m'a insulté. J'ai dit que Roupé, je vais te casser les dents. C'est comme ça que je suis restée. Mais je fais ça dans la réunion. J'étais toujours celle qu'on accusait tous les jours. Voilà Roupé. J'ai dit que, comme c'était chez Soprano, j'ai dit qu'on descend parce que moi, je ne veux pas moi casser leurs choses. Chez eux, c'est joli, non? Je ne veux pas moi casser leurs bouteilles là-bas. J'ai dit à Roupé, allons en bas, non? Pourquoi tu fuis, tu pars au couloir, tu sautes là-bas, tu te mets loin là-bas, tu m'insultes. Viens, on descend en bas, Roupé. Roupé, à poum. On m'a calmé que je rentre. Même les gens de ma mouche, ont dit que, hé, hey, ma faux. Ouais, on a vu ce qui s'est passé. Je les ai soupliés que ça reste entre. Ils ont dit qu'on ne peut même pas dire tu es notre mafou. On ne peut même pas dire que tu as bagarré. Toi, tu sais que chez les bams, une mafou ne lutte pas. On ne peut même pas dire hey, mais ta copine là, elle a commencé à m'insulter que quoi là, que moi je l'ai appris la vente du piment. Roupéro, elle dit ça. Hein? Alors qu'elle était dans le foirage, jusqu'à elle dit que Roupéro dit que moi je l'ai apprise à vendre le piment. J'ai dit à Roupéro que Roupéro, ton bureau de la pimenterie où on pisse dehors. Là-bas, ici, à le quartier, là, on appelle là-bas que quoi? C'est pas Argenté, c'est à Sarcelles. Ou pas Sarcelles, c'est à machin. J'ai dit à Roupéro que Roupéro, toi, tu ton comptoir, on pisse dehors. Ton comptoir de la pimenterie. Tu racontes quoi, là? On a commencé à s'insulter. J'ai dit que, parce que Roupéro m'avait demandé un jour que, ouais, elle est dans le foirage, pardon, place-moi. Elle m'a demandé un truc. Je lui ai dit que je ne n'ose pas. Parce que Roupéro, c'est une gars que si tu dis un oui, elle va aller faire le Congo, ça. Et je n'aime pas. J'ai dit, Roupéro m'a insulté que oui, c'est moi qui l'a. Alors qu'elle fait la pimenterie depuis la Guinée. Elle mange dans la pimenterie depuis maman. J'ai déjà vendu le piment où. J'ai dit à Roupéro que Roupéro, c'était en plein réunion, non. Là, c'était le truc, ça dit que le saga, saga. J'ai dit à Roupéro que Roupéro. Toi, tu es là, tu vends le piment où on pisse dehors. Est-ce que la vraie pimenterie, le vrai client qui arrive, donc s'il veut pisser, il va attacher sa chemise pour aller pisser dehors. À Aubervilliers, son comptoir pimenterie, le comptoir de la pimenterie de Roupéro, c'était dans le couloir à Aubervilliers, un couloir à Aubervilliers. Je dis à Roupéro que Roupéro, je connais ta chambre de la pimenterie, non? On pisse dehors. C'est comme au pays, tu vois les toilettes, c'est comme chez les Adelina. Où on peut pisser dehors, là. C'est en bain, son comptoir, on pisse dehors. Je dis que, mais attends, donc si un costumman arrive et qu'il finit, il veut go pisser, il va attacher son habit, passer au couloir pour aller pisser dehors. J'ai dit que tu as le dernier comptoir de la pimenterie. Je lui ai dit que. Je lui ai dit que les vrais pimentiers, ils sont là où c'est. Regarde où tu vends le piment. Ce n'est que l'incassant de 15 euros. Elle donne le crédit à la pimenterie. Le jour-là, j'ai insulté la Roupéro. Que Roupéro, devant moi, tu as donné le crédit à la pimenterie. Quelqu'un était venu. La personne, j'étais là avec toi. Tu as coupé, tu as vendu ton piment. J'étais là, je me suis caché derrière. Parce qu'il n'y a même pas le rideau pour se cacher. Je me suis caché derrière le. J'ai dit à Roupéro que tu as vendu le piment devant moi. Tu dis que quoi? Quand tu avais ton costumman qui est arrivé, n'est-ce pas, vous se cacher derrière le matelas? C'était un. J'ai dit que Roupéro, j'ai vu le gars. Il revient encore. Je t'ai dit que. Comment as-tu que. Elle me dit là-haut que j'ai rendez-vous avec mon copain. Que. Il y a le copain dans la pimentée. Donc, quelqu'un qui vient là deux fois, tu commences à donner le crédit. J'ai dit à Roupéro que. Tu donnes le piment. J'ai dit que tu donnes le crédit de la pimenterie. Et tu viens me parler que oui. J'étais apprise le comptoir de piment alors que tu as donné le piment à un noir. C'était un Sénégalais qui ont les bazookas. Il a payé quoi? Il est revenu encore qu'il veut te gnasser jusqu'à tu me disais que oui, il a dit que tu es trop bonne. J'ai dit que c'est normal qu'il dit que tu es trop bonne, non? N'est-ce pas, tu as train de donner à profondément. Je dis que mais, tu es même quel genre? Quelqu'un vient à ton comptoir, c'est occasion pressée. Est-ce que tu as besoin même d'enlever, que tu mets même la lingerie pour aller couper? J'ai dit que ça, c'est occasion pressée. Celui-là même, dit donc. J'ai bien lavé Roupéro le jour-là. Ils ont dit que j'ai sorti les secrets. J'ai dit que quoi? Quand Roupéro raconte mon nom partout, elle raconte les choses. J'ai dit que voilà.
Et le jour après, l'Anchamave Rupero, ils m'ont donné une mamie de Condré que je dois payer. Soit disant que c'est moi qui approuve, que c'est moi, j'ai versé la boisson sur elle la première. Maman, dans cette réunion, j'ai payé les dettes là-bas comme ça. Comme ça. 350 euros. Non, un casier de Guinness Cameroun exigé. Parce que Rupero, elle siffle la Guinness. À présent, elle ne boit pas l'alcool. Rupero siffle la Guinness. Ils ont choisi leur goût qu'ils aiment. Un carton de Guinness. Une mamie de Condré. Plus 350 euros. L'amende que moi. On m'a tapé que bagarre à la réunion. Histoire avec Rupero. Ils m'ont fait les choses dans cette réunion que je suis restée comme ça. J'ai dit que je suis l'enfant de quelqu'un. Je vais pleurer à qui? La seule personne que je pleurais, parce que quand on faisait ça, je disais, tu vois, ma copine, que ma copine dit que me parle dans le groupe. Pourquoi tu me dis maintenant à côté? Si tu as quelque chose à dire, tu veux me soutenir qu'on est en train de dire que je vais payer 350 euros. Rupero paye quoi? Oh, ils ont donné l'amende de Rupero, qu'elle va payer ou c'est quoi là? Le mamie de Condé. J'ai dit que, mais, j'ai dit à ma copine Marie-Sandra que, mais va me soutenir. Donc, tu n'entends pas comme les gens là sont en train de m'accuser. Que c'est moi, j'ai commencé la première. Je t'ai expliqué, tu étais à la réunion. C'est vrai. J'ai versé l'alcool sur elle parce qu'elle m'a provoqué. Ok? Et j'ai dit à ma copine que, mais va faire le message, tu me soutiens. Hein? Que je ne peux pas payer ça. Que Rupero, elle paye d'abord aussi combien? Pour que je paye combien? On a dit que comme moi, ce qui est sûr que on va me couper ça, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit à ma copine que ma copine va me soutenir. Donc tu entends ce que... Parce qu'elle a écouté, elle m'a seulement appelé à côté. Oui, vraiment, je ne comprends pas. Alors que c'est ta sister, comment on peut être amendé comme ça? Et il y a encore une autre personne. Les gens la faisaient dans les clans contre moi jusqu'à... J'étais déjà orpheline. Mes gens. J'ai préparé un congrès comme ça, avec la chef. Congrès dit... Je dis que j'ai préparé un congrès comme ça. Bon comme ça. Oui. J'ai payé mon amende. Je réclame officiellement, je dis que Rupero paye sa part. Elle doit l'argent. Rupero a fui la réunion avant. Rupero a fui avec mon argent. Elle n'a pas. Rupero, en cours de route, elle s'est gâtée avec sa patronne. Parce que Rupero, son travail de Rupero, c'était quoi? C'est elle qui ouvrait les fenêtres. Hein? C'était son travail. Quand elle se lève le matin, elle part rester chez une femme comme elle. Elle ouvre la fenêtre. Amen. Elle ouvre la fenêtre, l'air entre. Après, elle ferme. J'ai dit que, quand j'avais dit vu Rupero, j'ai dit que Rupero, si tu cherches quoi ici, à la présidence, je l'avais croisé un jour, je l'ai coincé, j'ai dit que, tu cherches quoi où je suis? Hein? Tu cherches quoi ici, où je suis? Elle a dit que je suis la voix. J'ai dit que, comme tu entres dans la maison aussi, je sais que le Congossa, parce que Rupero, c'est la première Congossa 6 de Paris, elle est la plus grande Congossa de Paris. On m'a dit qu'elle est devenue une gringa comme ça, elle a coupé l'estomac. J'en sens de ça. Que si je la vois, elle ne va même pas connaître Rupero. Donc, cette Rupero, c'était la ouvreuse des fenêtres. Maman, est-ce que j'ai insulté quelque chose? Non. C'est que Rupero, elle ouvre les fenêtres, elle fait ceci, elle ne paye pas, elle n'a pas payé l'amende. Moi, j'ai payé l'amende. Je suis sortie fière. Je n'ai pas réclamé mon inscription, je n'ai pas réclamé ce qu'on appelle assurance, banque malaise. Ils sont restés avec. Mais je suis sorti digne d'une grande dame. Je suis fier de moi et marche la tête haute. Mais Rupero a fait quoi? Rupero est parti. Oh, quand les problèmes sont commencés comme ça, Rupero est rentré encore pour commencer à ouvrir les fenêtres, que ça me choque. Mais vous croyez que mon rêve peut être que je viens en Bengue ouvrir les fenêtres chez quelqu'un? Ou bien être griot? Hein? Pendant que les gens rêvent que Ambeng, il faut savoir, moi, mon rêve, c'est que je me lève le matin, je pars préparer, j'essuie la table, je reste là taper le divan. Franchement, quoi, c'est une vie, ça. Hein? Et vous pensez que moi, je peux rêver de cette vie-là, maman? Quand vous me voyez, ressens une ouvreuse de fenêtre. Vous avez vu où je vis au Cameroun? Mine de rien, parce que même mes copines sont jalouses de moi. Vous avez vu ce que j'ai fait, que quand j'arrive au Cameroun, je vis au Cameroun. Moi, je peux être une ouvreuse de fenêtre. Hein, maman? Non, je demande seulement. Parlons peu, parlons vrai. Je peux être une fille qui, que son travail en bain, c'est d'aller s'asseoir chez une femme comme elle. J'ouvre les fenêtres. On mange, je débarrasse. Je m'assois à la cuisine pour entendre qu'est-ce qu'on va encore. Si c'est le maïs bouilli, c'est pas cherché, je viens déposer, je débarrasse.
Hein? Je peux rêver ça, maman. Je ne rêve, je dis que si elle veut boire mon champagne, hein, tous les jacasseries que les gens, les petits nyamselés, les petits nyamanyamas, les amis que j'ai barrés, les amis refoulés, moi je les pleure parce que ce sont eux qui me pleurent. Parce que ce sont ces amis-là qui parlent de moi, qui font les choses pour que je regarde. Je ne les regarde même pas. Je ne les suis pas, je me suis moi-même. Je suis la patronne. Et ils vont toujours m'écouter. Et moi, je ne les écoute pas. C'est un choix. Même si on me dit que tel a dit, vous croyez que on me dit que tel a parlé de toi, vous croyez que j'ai écouté. Non. Et Jacques, il mange les sociaux, les cela, comment on me raconte là, ça me fait quoi? Moi, je ne suis pas une fille qui a faim. Mon frère, je vis ça avec la matinée, mange quoi? Quand il prépare, même, je mange qu'avec la poubelle. J'ai sorti mon héros depuis là que je dégive, c'est même encore là. Si j'avais même une porte là, c'est qu'on mange, on boit, on joue notre vin. Vous croyez que moi j'ai envie quoi? Vous croyez que j'ai envie d'aller rester dans les restaurants, manger, boire et filmer? Je n'envie pas ça parce que suffit d'abord qu'on invite. Ma vie c'est quoi? C'est d'aller dans les soirées. C'est mon travail. Je suis guest star. Et une guest star est toujours entourée de l'argent, tout ça. Tout ça ne m'impressionne pas. On boit, on pisse, non? Je sors d'où depuis peut-être 2 mois. Je suis dans les voyages. Est-ce que ça empêche que je voyage, je monte et je descends? Est-ce que ça empêche qu'on m'invite? Hein? Est-ce que ça empêche qu'on m'invite? Franchement, ça c'est des conneries que franchement je ne comprends pas. Hein? Sachez que ce que vous faites, vous ne faites pas ça pour que ça m'énerve. C'est vous qui souffrez de me voir. Je ne souffre pas de vous voir passer. Je ne vous écoute pas. Je ne vous suis pas. C'est un choix. Je ne vous suis pas. Je n'ai pas besoin de vous écouter. Et j'ai dit ignorance totale. Je ne vais pas vous répondre. Quel que soit ce que vous faites, je ne vous réponds pas. Je marche à Paris librement. Je ne suis pas une fille qui marche avec les gardes du corps. Quand on va se croiser face à face, parce que moi, je suis une fille de Ndoubat. Je suis une fille du quartier. Mais je veux même éviter ça. Parce que j'ai eu les procès pour bagarre en France. Donc je veux même éviter. Vous parlez de moi, ça m'enlève quoi? Vous faites les directs, vous parlez de moi, ça m'enlève quoi? Vous cherchez la visibilité, vous cherchez les directs parce que vous monétisez vos pages, je ne vous réponds pas. Pour moi, vous êtes des derniers de la classe. Vous me suivez parce que je suis votre patronne, je vous ai fabriqué. C'est derrière moi que vous vous êtes fait connaître. Je suis votre patronne. Et vous allez toujours souffrir de savoir où je suis, de savoir ce que je fais. Parce que quand je ne suis pas là, vous êtes des premières personnes à qui je manque. Quand je ne suis pas là, je vous manque. Parce que vous me cherchez, vous faites semblant de ne pas. Mais vous me cherchez. Elle est où? Elle ne réagit pas. Elle est où? Je suis un membre de votre famille. Vous croyez que je ne fais pas les directs? Parce que je n'ai pas le temps. Je m'assois, ce n'est pas parce que c'est le problème. Il y a beaucoup de dossiers, les chantiers. Il suffit seulement que je m'organise, je m'assois tous les soirs. On tape un chantier. Vous comprenez? Est-ce que je vais répondre aux rats comme ça, aux rats palmistes, mon frère? Elles sont les qui? Jusqu'à je vais perdre mon temps pour répondre. Ouais, mon truc de direct. Je vais perdre mon temps pour répondre parce que tel a parlé. On est sur Facebook. Quand il y a une histoire où ça peut monétiser la page de quelqu'un, les gens parlent, non, maman? Ça me fait quoi? Donc, vous croyez que dès que j'entends une histoire, je vais venir parler? Un petit truc, je viens là. Oh, Fleur de Lille, on a dit que. Je vais vous mettre l'autre que les gens, ils ont raconté. Nous, c'est pour qu'on perde le temps, parce que c'est déjà le soir. J'attendais que ma copine vienne parler. Mais Jean, attendez, c'est que la batterie va. Alors que j'avais les rallonges dans cette maison. Attendez, je vais sauter le canapé. Je vais prendre. On va seulement taper le divert. Je tape seulement le divert. Vous croyez que moi, Claude, n'importe qui cherche la Samaria, prononce mon nom. Vous croyez que je n'ignore pas ça, maman? Attendez, j'arrive. Vous croyez que j'ignore que quand tu veux la Samaria, tu prononces la mafo, maman? Est-ce que je suis bête? Hein? Pour vous dire que. Hein? Pour vous dire que toutes ces filles-là, je ne les suis pas. Je suis ma copine. Voilà. C'est tout. Je suis ma copine. Il y a certains que je suis. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est derrière mon détracteur. Comment je vais suivre? Quand tu es derrière mon détracteur, je ne t'écoute pas. C'est comme ça et pas autrement. Elles sont les Bakouas. Jusqu'à je vais perdre mon temps pour écouter. Je suis leur patronne.
Je suis la patronne de ces filles-là. Voilà, c'est tout. Mais comment vous arrivez-vous jalouser les pauvres? Je suis pauvre, vous êtes riche, mais vous jalousez une personne qui... Maman, je dis que les gens me dépassent. Je suis dépassée des riches qui jalousent les pauvres. Quand les riches, on jalouse quelqu'un qui n'a rien, maman. Hein, mais quoi? Quand on est riche, on jalouse une personne qui n'a rien. Quand tu es riche, envoyez le cœur, mes gens. Quand tu es riche, est-ce que tu jalouses quelqu'un qui est pauvre? C'est Fleur de Lille qui n'est rien, mais c'est de moi que vous parlez. Ça me fait quoi? Vous croyez que vous perdez le temps, vous parlez de moi, ça me fait quoi? Mes cœurs, mes chers internautes, nous avons parlé. J'ai compris ce qui s'est passé. J'ai appelé ma copine. Elle n'a pas répondu. Elle ne répond pas peut-être parce qu'elle se dit que je vais réagir violemment. Vous comprenez un peu. Mais elle est une personne que j'ai fréquentée. Même si elle a eu à dire quoi. Je vais gérer ça derrière. C'est choquant. C'est choquant. Ça m'a choqué. Je ne vais pas vous mentir. Mais je vais gérer derrière parce que c'est mon ami. Et je ne veux pas qu'on se sépare le jour qu'on se dit plus bonjour. Depuis que je suis rentrée du Cameroun, on ne s'est pas vu. Depuis qu'on est revenu du Cameroun, on ne s'est plus jamais revu. Oui, on s'est vu en Suisse. Oh, je l'avais invité à un anniversaire, on s'est retrouvé en Suisse. Donc, je n'ai pas le temps. Je jongle ma vie comme je peux jongler. Je suis une jongleuse. Je jongle ma vie comme je peux jongler pour m'en sortir. Oui. Tout ce que j'ai dit ce soir, c'est que peu importe où elle part, il va soit là qu'elle ait un peu de retenue. Oui. J'ai pris de la hauteur, mais que je ne suis plus le genre que tu entends que tu viens là. Oui. Je vais mettre quelque chose. Vous savez que j'étais en Turquie. Je suis revenue. J'ai entendu. Je veux qu'on me remarque la voix d'une personne qui parle. Je vais la laver. Ça veut dire que je vais couper le direct. Ça fait combien de temps? Je vais mettre les voices d'une fille qui fait le Congo ça sur moi en Turquie que je ne connais pas. Mais ce sont de la Turquie qu'ils vont reconnaître. Et je vais la laver et rincer. Je ne manque pas ce qu'elle doit parler sur Facebook. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc le reste, c'est les vieilles chouettes qui se... Pavane à Paris, c'est un mec qui parle de moi partout, partout là. Je ne suis pas obligée de les répondre. Est-ce que je manque de quoi je vais parler? Et ça fait que 28 minutes. En 27 minutes seulement. Maman, je vous raconte. Bipez-moi les gens que vous connaissez en Turquie. À Istanbul. Bipez-moi les gens de la Turquie. Mes gens, je suis partie en Turquie pour faire l'anniversaire surprise à une personne. Qui m'avait dit, un monsieur qui a dit que je viens faire la surprise à sa femme. Et ils m'ont strictement interdit de filmer. C'est légitime. Quand tu es une star, on t'invite. Les personnes qui t'invitent te donnent la condition. C'était dans leur maison. Ils avaient leur photographe privé qui a fait les photos. Ils m'ont dit, ils ne veulent pas que je filme. Ils ne veulent pas que je mette sur Facebook. Je respecte. Mes amours, quand je suis arrivée à Istanbul, je connais du monde là-bas. Mirabel Anglois, elle et sa fille qui est à Istanbul. Sa fille qui est à Istanbul. Quand je suis arrivée à Istanbul, déjà quand je suis quittée ici, il y avait derrière le Congo, ça que ou bien je ne suis pas là-bas. Bref, je ne gère pas ça. Quand j'arrive, je suis fatiguée. Comprenez aussi que je ne suis pas obligée de faire les directs chaque minute. Ou bien dès qu'on dit que je viens me justifier, je fais le direct. Je veux vous expliquer cette histoire pour que vous compreniez comment le Camerounais est foncièrement méchant. Comment l'homme camerounais n'aime pas son frère? Pendant que j'étais à Istanbul, il y a des personnes qui sont venues me rendre visite à l'hôtel. Moi, je ne les connais pas. C'est les gens qui m'appellent. Ma faux, j'ai vu que tu es à Istanbul. Tu es où? Je ne connais pas tous les noms. Je dis que je suis à tel endroit. N'est-ce pas? Je fais souvent le dire. Vous voyez même surprise comment les gens entrent. Est-ce que ça ressemblait à quelque chose que j'ai préparé avant? Non. Je vais vous mettre les voix. J'aurais appris qu'on m'a arrêté à Istanbul. Je suis bloqué là-bas. Je ne peux plus jamais revenir parce que, soi-disant, j'ai fait traverser une fille avec mon kaolo. Et elle a refusé de me remettre le kaolo. Et je suis calée. Tout ça parce que je suis partie à Istanbul. J'ai tapé.
Je suis partie jeudi et je suis rentrée jeudi. À Istanbul, c'est un pays qui a les affaires. J'ai signé les partenariats. Je suis partie pour affaires. J'ai vu les grands industriels avec Rose World, une partenaire d'affaires. Hein? Donc, hier, j'ai pris mon vol, je suis rentrée. Pendant que je suis dans l'avion, je reçois les voices. Comment une chienne, une pétasse, une prostitute, une qui rêve de traverser, qui n'a pas encore eu la chance de Boza, elle parle de moi, je la connais où. Je vais donc mettre, vous allez écouter. Remarquez seulement, vous dites en compte, vous dites qui c'est. Et vous m'envoyez ces photos. Je vais mettre sur Facebook. On va crier sur elle. Tout le monde va savoir que c'est une mamie Congo. Elle parle de moi, elle ne me connaît pas. Mais Jean, j'étais à Istanbul, je suis rentrée, j'ai fait le marché. C'est normal, non, maman? Quand tu parles, soit tu tournes, tu fais le tourisme. Je rentre ici, on me dit qu'on m'a arrêté. On me dit qu'on m'a arrêté et tout, parce que quelqu'un a traversé avec mon kaolo et je suis calée. Ce que je vais d'abord dire aux gens, ceux qui ne connaissent pas, j'ai comme impression que quand les gens parlent de la Turquie, ils parlent comme si c'était un bas pays. La Turquie, c'est un très grand pays. La Turquie dépasse même la France. Parce que les métros qu'il y a là-bas, la façon qu'ils vivent, les Turcs sont des bosseurs, ils sont des travailleurs. C'est juste que c'est un pays que c'est l'immigration, c'est les immigrés qui ont construit ce pays. Eux, ils tiennent l'Union européenne avec les immigrés. Tous ceux qui sont là-bas sont go pour traverser. Certains ont trouvé leur repère, ils sont restés. Certains cherchent encore la route. Mes chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que l'aéroport de Istanbul est l'un des aéroports les plus sécurisés du monde. Le contrôle qu'il y a là-bas, avec les empreintes et les trucs qu'on filme là, pour que tu sortes avec le kaolo de quelqu'un, vraiment, il faut que tu sois fort. Parce que les gens parlent les conneries qu'ils ne savent même pas. Les gens parlent les choses sans maîtriser. C'est comme ça que quand les gens sont au pays, vous restez ici, vous dites que si tu viens déjà en Turquie, on va te trouver au kaolo, tu vas traverser. Arrêtez de mentir les gens. Parce que la sécurité ne fait que changer tous les jours, tous les jours. La sécurité change tous les jours. Pendant que les faussaires font, eux, ils font aussi. Donc, j'aimerais dire à ceux qui sont en Afrique, qu'on les promet au pays que, voilà le réseau pour aller en Turquie à 2 millions, 3 millions. Sachez qu'en Turquie, les Turcs ne donnent pas les papiers, ne régularisent pas les gens. Ce ne sont pas les gens qui régularisent. Que donner le titre de séjour à quelqu'un, ce n'est pas les gens qui font ça. Ils te donnent les visas, ça finit, tu renouvelles. Et ce sont les gens qui sont sites, on rapatrie là-bas. C'est un pays que c'est la dictature. Ils ne parlent pas fort. Les gens sont... On ne vole même pas le métro là-bas. Les gens ne volent pas les transports. J'ai vu. Je suis allée dans les transports. J'ai vu comment tout le monde passe la carte. J'ai même dit à ma soeur avec qui j'étais que... Maman, on ne peut pas voler au transport. Elle dit qu'on te voit. Hein, on ne peut pas voler au transport. Si tu charges ta carte, tu passes. Elle dit que mais on peut passer à deux, non? Je croyais que c'est comme à Paris. Elle dit que non, j'ai forcé. J'ai dit que tu donc passons comme ça avec une carte. Comment tu... Maman, dès que j'ai traversé, j'ai vu un policier venir vers moi pour me dire qu'un retraverse, tu peux payer pour passer. J'ai dit que mais il m'a vu comment, on me dit qu'il y a une personne là-bas dedans. Il y a quelqu'un 24 sur 24, la personne ne bouge pas. Donc il contrôle tous ceux qui passent. Donc quand je passais, je voyais que c'est comment pas. Il dit que non, allons. Elle a mis sa carte, je suis passée. Il dit que non, on dit que tu as... Elle dit que non, quand tu tapes comme ça, on voit que tu as tapé. Si tu ne mets pas, on voit. On m'a renvoyé, j'ai retraversé. Elle a dit que non, que non, elle va payer pour elle. Donc le monsieur a ouvert pour que je retraverse, pour qu'on valide que je passe. Elle m'a dit que non, elle, reste, elle est rentrée, elle est sortie pour aller payer et repasser. Elle dit que merde. Donc c'est comme ça que ça se passe ici. Elle me dit qu'il y a les caméras partout. Donc il y a les caméras partout. Ici, là, les Turcs ne parlent pas fort. Les histoires que les gens bagarrent, ici, même dans le champ, quand tu vois deux personnes te bagarrer, on ne bagarre pas là-bas. La vie, c'est 24 sur 24. Donc, ici, la police, on ne rigole même pas. Donc, même les Camerounais qui sont là-bas, les Noirs qui sont là-bas, ils savent, ils connaissent l'esprit des Turcs. Donc, ils n'essayent même pas.
quand quelqu'un fait quelque chose, non, on respecte la police là-bas jusqu'à, il n'y a même pas moyen. Donc, c'était pour dire aux gens qui sont au pays que quand ils ont un petit argent, ils se disent que quand ils sont en Turquie, ils sont déjà arrivés en Europe. Je voulais leur dire que quand vous êtes en Turquie, vous n'êtes pas arrivé en Europe. Je vais prendre mon cas. Je suis européenne. Je suis partie de Paris pour les États-Unis via Istanbul. J'ai fait un visa ESTA sur Internet. Mais c'était sur la page des arnaqueurs. Je ne savais pas. Ça m'a dit que vous avez mis la carte bleue, vous avez payé. J'ai payé, j'ai eu l'ESTA. Seulement quand j'arrive à Paris, je montre, on me dit que est-ce que vous avez l'ESTA? Je dis oui, j'ai monté mon ESTA, on a validé. Je suis entrée dans le vol Turquie et là. Quand j'arrive à Istanbul, quand tu arrives à Istanbul, ce n'est pas comme les autres pays. Quand tu traverses là pour aller encore aux États-Unis, il y a encore une autre sécurité qu'on te on te recheck encore à nouveau. Moi, je ne sais pas que c'est comme ça que ça se passe. C'est que mon papier est ça que j'ai, c'est bon. J'arrive à Istanbul, on prend mon passeport, on passe. Parce que pour aller aux États-Unis, le contrôle, ce n'est pas pareil que pour venir en France. On passe mon passeport, on me dit que on ne vous retrouve pas. Les États-Unis n'ont pas validé votre entrée. Vous n'avez pas les stages. Je dis que, mais comment ça? Je montre mon téléphone que voici ça. Ils disent que non. Ils ont mis en ligne et ça n'a pas marché. Je dis que, mais vous-même, vous voyez que j'ai ça en ligne. Vous-même, vous me voyez ça entre les mains. Est-ce que je peux fabriquer ça? Ils ont dit que si je n'ai pas ça, je ne passe pas. Et quand les Turcs te disent, on ne négocie pas avec eux. Ce n'est pas l'Afrique. Peut-être vous croyez qu'ici, là, on corrompt la police, que peut-être en Afrique, comment on va, on donne l'argent à quelqu'un que pour traverser. On ne fait pas ça ici. Je ne sais pas si vous vous rendez même souvent compte de ce que vous dites. Parce que pour entrer aux États-Unis, c'est une autre sécurité encore. J'ai dormi à l'aéroport. Tchikisha dit qu'il n'y a pas de problème. Quand on, ils m'ont même donné un téléphone. Ils m'ont montré comment je valide l'ESTA en ligne. J'ai fait, j'ai payé avec ma carte bancaire. On attendait que ça valide. Le temps d'attendre que ça valide, le vol est parti. Il y a le faux ESTA. Il y a le faux. Et il y a beaucoup de Français comme s'ils se font arnaquer. Il y a les sites sur Internet. Tu mets un truc, tu crois que c'était alors que ce n'est pas le site officiel de ce que tu voulais. J'ai dormi sur les bancs à l'aéroport en Turquie. Oui, on ne m'a pas fait traverser. On m'a dit que où je rentre en France. Si je n'ai pas ça, je rentre en France, c'est mon pays. Tu rentres en France, mais tu n'entres pas aux États-Unis parce qu'on n'a pas validé ton entrée. Parce qu'on tape ça en ligne, ça sort. Quand les États-Unis valident l'entrée d'une personne, ça sort. Quand tu as l'ESTA, ce n'est pas parce que tu es européenne qu'on va accepter que tu entres aux États-Unis. Même si on dit que les Européens n'ont pas de visa. Ils ont mis sur l'ordinateur, ils m'ont montré que voilà, on met votre numéro de passeport et tout, mais on ne voit pas. Donc, attendez, j'ai dormi à l'aéroport. J'ai dormi, chaque fois, je tapais toujours, je regardais. Jusqu'à quand le numéro est passé, que confirmé, c'est dit ou c'est quoi là. Je suis encore reparti les montrer. Ils ont dit, ok, c'est bon, vous allez partir, on m'a fait partir. C'est pour expliquer un peu aux gens qui sont là-bas en Turquie. Même la route pour venir en France est fermée. Les gens qui sont au pays en courant, qui vont venir en Turquie, ils vont nager, ils vont se retrouver en Grèce. Même la Grèce a mis la haute sécurité. Parce que l'Union européenne paye la Turquie pour que la Turquie fasse la sécurité, que les immigrés n'entrent pas. On les paye pour ça. Vous comprenez? On les paye pour ça. Et j'aimerais rajouter quelque chose en disant que l'être humain est tellement... Ça dit que les gens sont tellement bêtes. Même pour aller au Cameroun, si tu n'as pas un visa, tu n'entres pas. Est-ce que vous savez que si tu n'as pas le visa pour entrer au Cameroun, on te bloque à l'aéroport? Parce que tu n'as pas un visa. Parce que les polices du monde sont en train de changer. D'accord? Donc, ce qu'elle voulait dire, c'est que il y a le voice, une fille explique comment j'ai donné mes papiers, quelqu'un a traversé avec, moi je suis calé en Turquie, on m'a payé 2 500 €. Vous voyez comment les gens inventent sur les gens? Comment on m'a payé 2 500 €, quelqu'un a traversé avec mon passeport, et maintenant, moi, la personne devait me renvoyer mon passeport pour que je retraverse avec, et la personne a fui avec. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne voyagent pas, je m'adresse surtout à ceux qui ne voyagent pas, parce qu'il y a ceux qui ont pris la route.
qui ne connaissent pas comment ça se passe dans les aéroports. Mais ils ont pris la route. Ils connaissent seulement l'histoire qu'on les raconte au désert et tout. Mais ils ne savent pas comment ça se passe. Quand tu entres dans un pays, pour aller en Turquie, je n'ai pas besoin du passeport. Rien que ma pièce d'identité. J'entre avec. Je n'ai pas besoin de passeport pour aller en Turquie. Je peux avoir ma pièce d'identité. Ok? Quand tu entres dans un pays, on te met un cachet d'entrée dans un pays. Quand tu ressors, on te met encore le cachet parce qu'on a vu quand tu es entré. Quelqu'un ne peut pas voyager avec tes papiers. On te renvoie par la poste et tu revoyages avec. Tu vas justifier que la personne est sortie et rentrée. Je ne sais pas si vous réfléchissez, vous les Africains, qu'on passe le temps à vous escroquer, à vous mentir, à vous dire des choses, vous ne réfléchissez même pas. Quand une fille explique comment je suis sortie, que quelqu'un est parti avec mes papiers, je suis calée et je devais revenir avec. Mais j'ai envie de vous demander que quand tu pars d'un pays, n'est-ce pas, on te met le visa d'entrée. Quand tu entres dans un pays, on te donne un visa. Quand tu ressors aussi, on regarde d'abord le cachet. On te filme. Et on voit quand est-ce que tu es entré avant de te mettre le visa de sortie. Donc, je vais vous raconter à cette fille-là que si ta copine est partie en main, ce n'est pas moi qui l'a fait voyager. Je ne suis pas l'immigration. Je ne suis pas l'immigration pour faire voyager. Pour partir dans un pays, on demande de venir. Je ne suis pas l'immigration pour faire voyager une personne. Et j'aimerais te dire, toi qui as raconté, si c'était même la vérité, pourquoi ça va te faire mal? Tu vas faire le Congo ça comme ça. Hein, ma chérie? Écoutez les voix de cette fille. Hein. Je veux seulement que vous reconnaissez. Écoutez comment elle parle. Avec affirmation que... Hein, écoutez. Comment elle parle. Non, j'ai donné les mains aux Camerounais que non, vous êtes... Je t'appelle tout à l'heure. Écoutez un peu. Hein. On m'a transféré les voix là. On m'a transféré. Je vais vous faire écouter un peu. Pour que vous écoutez un peu comment les Camerounais parlent. Écoutez les voix. Hein. Oui, bonjour Madame Coco. J'ai bien reçu vos photos. Excusez-moi, j'étais en pause déjeuner. Non, c'est pas ça. Je suis en train de chercher le voice pour vous montrer, pour que vous écoutez. Je veux la voix de la fille qui a fait ça. Alors, attendez un peu. Voilà. Oui, bonjour Madame Coco, j'ai bien reçu vos photos. Attends. C'est quoi ça? La main des mains, c'est comment? Votre beau salaire, ma. Si ne sais pas si on rembourse l'argent. S'il y avait moyen, on te rembourse l'argent, ma. Tu comprends? On te rembourse ton argent. Tu essaies de compléter. Écoutez un peu. La main des mains, c'est comment? Votre beau salaire, ma. Si ne sais pas si on rembourse l'argent. S'il y avait moyen, on te remboursait l'argent, ma. Tu comprends, hein? On te rembourse ton argent. Tu essaies de compléter. Tu payes quelqu'un, tu cherches quelqu'un qui a les papiers, soit en Allemagne, soit la France, ça dépend. Dans le Schengen, là. Si la personne peut venir ici, tu utilises ses papiers pour entrer. Voilà une amie à moi qu'on était en Guinée ensemble. Une fille avec qui j'ai fait la Guinée équatoriale ensemble. Elle était ici. Elle a voyagé hier pour l'Allemagne avec les papiers de Fleur de Lys. Avec les papiers de Fleur de Lys. De Mafo. Tu sais que Fleur de Lys est à Istanbul, non? Elle est même encore là. Donc peut-être elle va quitter demain ou après-demain. Elle a voyagé avec les papiers de Fleur de Lys. Elle est entrée en Allemagne. Elle vient de m'écrire ce soir à 16h, mais j'étais étonnée. Je dis, mais donc quelqu'un peut utiliser les papiers de quelqu'un pour entrer avec sa passe. Je sais que lui, il faut aussi avoir 100% de chance, mais c'est quelque chose que. Si quelqu'un prend tout son courage, ça peut aller. Elle est entrée comme bonjour.
en faisant même ces vidéos à l'aéroport, hein, je te dis, mate, parce que l'histoire de Boza que j'entends comme Boza Lola, on tapote, on tapote, on arrête les gens, on met en prison, on paye encore les $500 pour sortir en prison. Ma soeur, s'il y a possibilité, si on peut te rembourser, on te rembourse. Tu restes un peu tranquille là. En faisant, tu veux ton business comme tu fais en Afrique là. Tout ça, c'est le même agent. Bon, ça me vient. Tu cherches quelqu'un que tu peux acheter ses papiers. La personne vient, si tu étudies ses papiers, tu payes le vol. Ton billet d'avion, tu pars. Après, la personne reste maintenant, après monter. C'est comme ça que celle-là, c'est ce qu'elle m'a expliqué. C'est les papiers de fleurs de ligne qu'elle a utilisé pour en faire. Elle est entrée en Allemagne. Elle a voyagé hier à 16h. Elle est entrée en Allemagne ce matin. Attendez. Attendez un peu. Attendez un peu. Parce que je ne connais pas. Non, attendez, ce qui m'étonne, c'est que quelqu'un dit que la personne a quitté l'Istanbul hier à 16h et est arrivée demain le matin. Non, je vais seulement. Ça, c'est une fille qui a dû conseiller quelqu'un en Afrique. Hein. Qu'on a déjà tout escroqué la fille en Afrique, qu'elle demande son remboursement. Parce qu'elle connaît une fille qui a voyagé avec mes Kaolo. Et que la fille a quitté l'Istanbul à 16h. Elle est arrivée, quand elle est quittée à 16h, elle est arrivée demain matin. Vraiment, comment vous êtes bête comme ça? Mamie, tu sais que c'est tout l'Europe. Comment tu peux dire que ta copine est partie à 16h aujourd'hui, elle est arrivée demain matin? Toujours l'Europe ici, là. Tu sais combien d'heures la France pousse? C'est 3 heures de temps. Comment tu manques comme ça, ma chérie? Toi, tu parles à une personne, quand tu la déconseilles, oui, s'il y a moyen, pas, tu dis. Écoutez bien, hein. Trouvez son nom, la fille là. La mère des mères, c'est comment? Votre beau là, Emma, si ne sait pas si on rembourse l'argent. S'il y avait moyen, hein, on te remboursait l'argent, ma. Tu comprends? On te rembourse ton argent. Tu essayes de compléter. Tu payes quelqu'un, tu cherches quelqu'un qui a les papiers, soit en Allemagne, soit en France, ça dépend. Dans le Schengen, là. Si la personne peut venir ici, tu utilises ses papiers pour entrer. Voilà une amie à moi, quand on était en Guinée ensemble. Une fille avec qui j'ai fait la Guinée équatoriale ensemble, elle était ici. Elle a voyagé hier pour l'Allemagne avec les papiers de fleurs de lys. Avec les papiers de fleurs de lys, de Mafo. Tu sais que fleurs de lys, elle est à Istanbul, non? Elle est même encore là. Donc peut-être elle va quitter demain ou après-demain. Elle a voyagé avec les papiers de fleurs de lys, elle est entrée en Allemagne. Elle vient de m'écrire ce soir à 16h, mais je t'ai étonnée. Je lui ai dit, mais donc quelqu'un peut utiliser les papiers de quelqu'un pour entrer avec sa passe? Je sais que lui, il faut aussi avoir 100% de chance, mais c'est quelque chose que si quelqu'un prend tout son courage, ça peut aller. Elle est entrée comme bonjour, en faisant même ses vidéos à l'aéroport. Hein. Je te dis, mate, parce que l'histoire de Boza que j'entends comme Boza Lola, on tapote, on tapote, on arrête les gens, on met en prison, on paye encore les $500 pour sortir en prison. Ma soeur, s'il y a possibilité, si on peut te rembourser, on te rembourse. Tu restes un peu tranquille là. En faisant, tu veux ton business comme tu fais en Afrique là. Tout ça, c'est le même agent. Non, tu cherches quelqu'un que tu peux acheter ses papiers. La personne vient, si tu utilises ses papiers, tu payes le vol. Ton billet d'avion, tu pars. Après, la personne reste maintenant, après monter. C'est comme ça que celle-là, c'est ce qu'elle m'a expliqué. C'est les papiers de fleurs de lys qu'elle a utilisé pour en faire. Elle est entrée en Allemagne. Elle a voyagé hier à 16h. Elle est entrée en Allemagne ce matin. Merde. Tu vois, non. Donc, Fleur est venue ici, là, et c'est son gars qui devait accueillir Fleur à la. Donc, qui a accueilli Fleur ici pour l'orienter dans le marché pour faire ses achats. Donc, le gars a proposé aussi Fleur. Fleur aussi, elle a accepté. Bon, elle a utilisé le billet de retour de Fleur parce qu'elle est venue par vol. Elle a utilisé son billet de retour. Bon, mais je ne pense pas qu'elle a utilisé son billet de retour parce qu'elle a pu acheter une autre billet parce qu'elle est partie, parce que Fleur est sortie de la France pour ici. Mais elle, plutôt, elle est descendue en Allemagne. Donc, je ne peux pas te dire. Mais je sais que ça peut être dans les 2500 euros. Minimum, ça doit être dans les 2500 euros. Parce que je sache, ça ne peut pas être plus que ça. Ça ne peut pas, je ne crois pas que ça peut être plus que ça. Ce que je veux savoir, c'était que, donc si c'était facile comme ça, c'est que vous pensez que les gens ne sont, c'est que tous les jours les gens entrent. Comment tu peux parler comme si, ça veut dire qu'elle a la confirmation. Vous comprenez? Et je connais la fille qui parle, puisque
quand j'étais là-bas, il y a des gens qui m'ont accompagné au marché. Ou bien parce qu'ils ont vu que la fille était avec moi. Après, la fille leur a dit qu'elle a voyagé. Maintenant, elle est déjà en Benkeu. Ils pensent que... Je croyais le numéro de la fille. J'ai contacté la fille. Elle dit que tu racontes quoi, mamie? Pardon, dis-moi un peu. Tu dis que quoi? Je te connais où? Est-ce que moi, je te connais? Comment tu peux aller raconter les choses? Tu racontes à une amie. Voilà, j'ai envoyé les voix à la fille parce que j'ai reçu. Et la fille a donc appelé la fille, c'est qui parle. Elle a parlé à la fille, elle a enregistré à la fille. Écoutons. Oh, les enregistrements de ça. Écoutons les enregistrements. Hein. Écoutons. Peut-être, je ne sais même pas si tu as monté même quelques de mes photos là-bas. Personne ne peut me connaître. Tu as monté même quelques de mes photos là-bas. Personne ne peut me connaître là-bas. Moi, je sais. Donc, la fille me dit que mais personne ne la connaît même là-bas. Écoute. Personne ne peut me connaître là-bas. Moi, le secteur des Camerounais là. Tiens. Elle ne connaît pas. Donc, elle m'a donc envoyé donc les voix, ce que l'autre fille lui a fait, non. Écoutons, hein. Bonsoir, bonsoir, Dada. Je viens d'écouter le voix, c'est parce que je suis occupée. Et ne fuis pas l'appel. Je fuis l'appel que tu vas me manger au téléphone ou bien tu vas me faire quoi seulement. Ne fuis pas l'appel. C'est juste que. En fait, d'abord, je m'excuse pour ça. Et cette voix, je le connais. J'ai envoyé ça à une amie. Une amie qui veut traverser à tout prix. Je l'ai envoyé cette voix parce que c'est une information que quelqu'un m'a dit. Et la personne, quand j'ai envoyé cette voix, j'étais avec la personne. J'étais avec la personne qui m'expliquait ça. Et la personne m'a dit de ne pas le prononcer. Bon, du coup, je ne voulais pas prononcer la personne. Elle a juste dit que c'est toi qui m'as donné cette information. C'est tout. Donc, je m'excuse vraiment pour ça. Je m'excuse vraiment pour ça. Dada, je pense qu'on se connaît pour aujourd'hui. Je pense qu'on se connaît si longtemps. Et tu me connais assez bien. Et depuis qu'on se connaît depuis la Guinée équatoriale, tu n'as jamais entendu telle chose ou bien dans un tribunal, ou bien je suis mis dans un tribunal. En fait, ta soeur, même ta soeur Irène, ne t'a jamais dit un jour. Parce que c'était elle, mon amie. Irène ne t'a jamais dit un jour que je me suis retrouvée quelque part dans un tribunal. Ou bien dans les ondes et tout est confort. Tu comprends? Tout à l'heure, comme je t'ai dit, je t'ai envoyé le message. Je t'ai dit, c'est une information que quelqu'un m'a donnée. Tu comprends? C'est quelqu'un qui m'a donné ça. Vous savez qu'il y a beaucoup les espoirs à Istanbul. Parce que je sais que mon amie, elle est dans le besoin. Peut-être que moi, je suis avec quelqu'un et la personne a menti. Comme vous voyez, je fais voyager les gens. Mais on va vous expliquer là-bas. J'étais avec la personne. On va vous expliquer comment je vais. C'est où j'ai eu du Regarde comment je lui ai dit que non, c'est toi qui m'as donné l'information, c'est tout. Mais c'était pas pourquoi elle n'a pas fait la pipe. Tu comprends? C'était pas pourquoi elle n'a pas fait la pipe avec ça. Donc, je m'excuse vraiment beaucoup pour ça. Et moi, je ne peux pas répondre à une question. Parce que je ne peux pas te dire que telle m'a dit. Parce que là, c'est de. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux pas te dire que telle m'a dit. Je ne peux pas te dire ça. Parce que. Déjà, tu dis ça, c'est peut-être créer des problèmes en fait. Parce que cette fille, elle ne voit pas pourquoi elle devait aller déposer les messages ailleurs, quelque part. Je ne vois pas pourquoi elle devait aller déposer. C'était juste pour tirer son intention, pour lui dire que il y a parfois des occasions comme ça qui peuvent arriver, on ne sait jamais. Mais c'est pas pourquoi pas tirer, pas déposer les messages ailleurs, pourquoi ça te crée des problèmes. Vraiment, je m'excuse beaucoup pour ça. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien te répondre comme question, en fait. Je suis désolée, je ne peux pas. Tu as bien fait. Il n'y a pas de problème. Parce que tu m'as vraiment fourré dans un truc que moi, je ne sais pas. Je te dis seulement merci. Il n'y a pas de problème. C'est la cause. Vraiment, je m'excuse beaucoup. Excuse-moi. Et tu as raison de te fâcher parce que c'est quelque chose qui te concerne. Tu as le droit de te fâcher. Je m'excuse. N'est-ce pas parler avec confirmation maintenant? Vraiment, vous savez, quand vous faites le Congo-sa entre amis, ne faites plus le genre de Congo-sa là, ma copine. Peut-être que quand tu as vu que quand tu as dit qu'il était avec moi, ou bien vous avez vu une personne avec moi, la personne est que oui, je suis avec Fleur de Lille, machin, c'est ça. Parce que la personne veut vous escroquer. Regarde comment vous tombez dans le truc. La personne se vante, oui, je suis avec Fleur de Lille, c'est même machin, pour se donner l'importance. Hein? Maintenant, tu reviens, n'est-ce pas? Tu dirais qu'elle t'a appelé, elle a quitté en Allemagne. Elle est quittée hier à 16h. Elle est arrivée en Allemagne aujourd'hui. Alors que tu manques même l'Allemagne, mais on ne quitte même pas hier. On arrive aujourd'hui.
Tu es en train de motiver une personne qui est encore en Afrique là-bas que oui, il y a le réseau. On va se renseigner. Hein? Hein? C'est quoi ça? Tu as même vu. Bonsoir, Dada. Je viens de Attends. Ma, tu refuses l'appel. Pourquoi? Bonsoir. Tu sais quoi? Moi, il y a les choses que moi, j'aime pas. Il y a les choses que j'aime pas. S'il te plaît. Décroche mon appel. Mm-hmm. Ouais, c'est parce que je suis occupée. Et ne fais pas l'appel. Je fais l'appel que tu vas me manger au téléphone ou bien tu vas me faire quoi seulement. Ne fais pas l'appel. C'est juste que... En fait, d'abord, je m'excuse pour ça. Et cette voix, je le connais. J'ai envoyé ça à une amie. Une amie qui veut traverser à tout prix. Je l'ai envoyé cette voice parce que c'est une information que quelqu'un m'a dit. Et la personne, quand j'envoyais cette voice, j'étais avec la personne. J'étais avec la personne qui m'expliquait ça. Et la personne m'a dit de ne pas le prononcer. Donc, du coup, je ne voulais pas prononcer la personne. Elle a juste dit que c'est toi qui m'as donné cette information. C'est tout. Donc, je m'excuse vraiment pour ça. Ma, s'il te plaît, dis-moi un peu la personne. Dis-moi la personne qui t'a dit. Parce que quand tu accuses une personne injustement comme ça, comme tu accuses, tu dis que tu as appelé, tu as parlé avec moi. Moi, j'aime pas les. Il y a les choses qu'il faut. Non, il faut parfois dire la vérité. Tu comprends, non? Il faut parfois dire la vérité. Parce que quand je suis le voisin, tu dis que tu m'as appelé. Toi et moi, on a causé. Est-ce que tu m'as appelé? On a causé quand, ma? Dis-moi aussi. Parce que je suis dans les problèmes. Moi, je comprends pas. Quand tu dis qu'on m'a appelé, tu m'as appelé quand? Toi et moi, on a causé quand, en fait? Moi, je ne comprends pas. Tu m'as appelé quand, ma? Dis-moi la personne qui t'a, avec qui tu étais. S'il te plaît. Elle dit que c'est quelqu'un. Parce qu'on n'aime pas le fou. Toi-même, tu me connais comme moi, le bavardage, c'est pas moi. Moi, j'aime pas faire le bruit, je ne bavarde pas, moi, j'aime pas les problèmes. Tu vois, non? Donc, ça me met un peu mal à l'aise. Écoute ce que la fille répond. Dada, je pense qu'on se connaît pour lui dire. Je pense qu'on se connaît depuis longtemps. Et tu me connais assez bien. Et depuis qu'on se connaît depuis la Guinée équatoriale, tu n'as jamais entendu telle chose, ou bien dans un tribunal, ou bien je suis mis dans un tribunal. En fait, ta soeur, même ta soeur, Irène, ne t'a jamais dit un jour, parce que c'était elle mon amie. Irène ne t'a jamais dit un jour que je me suis retrouvée quelque part dans un tribunal, ou bien dans les zones d'irritation et confort. Tu comprends? Tout à l'heure, comme je t'ai dit, je t'ai envoyé le message. Je vais travailler les gens. Si je t'ai dit, j'allais prendre une information que quelqu'un m'a donnée. Tu comprends? C'est quelqu'un qui m'a donné ça. Et j'ai donc causé avec mon ami parce que je sais que mon ami, elle est dans le besoin. C'est tout. Mais je n'ai pas voulu. Quand j'ai causé, elle m'a demandé que, ouais, qui m'a vraiment donné l'information. J'étais avec la personne, je ne voulais pas prononcer le nom de la personne. C'est où je l'ai coupé court. Je lui ai dit que non, c'est toi qui m'as donné l'information, c'est tout. Mais ce n'était pas pourquoi elle n'a pas fait la pub. Tu comprends? C'était pas pour qu'elle pas fait la truffe avec ça. Donc, je m'excuse vraiment beaucoup pour ça. Et moi, je ne peux pas répondre à une question. C'est ce que c'est un fait, man. Vous savez qu'il y a les Grecs, man. Je suis désolé. C'est ce qu'un Grec, man, a dit que. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux pas te dire que tellement. On va manger votre argent. Je ne peux pas te dire ça. Parce que, déjà, te dire ça, c'est de. Peut-être créer des problèmes, en fait. Parce que. Cette fille, elle ne voit pas pourquoi elle devait aller déposer les messages ailleurs, quelque part. Je ne vois pas pourquoi elle devait aller les déposer. C'était juste pour tirer son intention, pour lui dire que il y a parfois des occasions comme ça qui peuvent arriver, on ne sait jamais. Mais c'est comme pourquoi elle pas tirer, mais pas supposer un peu, même si une occasion comme ça arrive, vous allez bavarder comme ça. C'est pour qui peut-être qu'on ne peut même pas vous aider. Regarde comment vous bavardez. Je suis vraiment désolée, mais est-ce qu'on bavarde? Je ne peux rien te. Regardez une occasion, si jamais même c'était vrai. Regarde comment vous faites pour qu'on ne vous aide pas. Est-ce qu'on fait les choses comme ça, on bavarde même? Regarde comment tu bavardes. Est-ce qu'on fait les trucs comme ça? Si quelqu'un fait même partie d'une personne, ça fait un immigré de moins qui sort de la Turquie. Est-ce qu'on bavarde les choses comme ça? Tu vas t'asseoir, tu commences à bavarder. Oh, ça fait que, ça fait que. Je vais répondre comme question, en fait. Je suis désolée, je ne peux pas. Je veux vraiment je te remercie vraiment. Parce que quand il y a un truc, n'est-ce pas, avant de donner les informations, viens demander à la personne. Quand il y a un truc, si tu constates, si tu entends qu'il y a eu telle chose, tu as mon contact, tu viens me demander. Comment, c'est quoi, c'est comment, ce que j'entends là, c'est vrai. Parce que l'information que tu donnes et tu confirmes, toi et moi, on n'a jamais eu à parler un truc concernant ce que tu es en train de dire là. Je ne t'ai jamais dit rien à propos de rien. Toi, moi, on n'a rien parlé concernant quelque chose de ce genre. Toi, moi, on n'a jamais rien eu à parler.
Donc, ce que tu parles, tu confirmes, tu vois. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on fait parfois. Quelqu'un meurt ici dehors pour rien. Parce que quel qu'en soit, ce que je vais dire. Qui appelle? J'ai pas envie de reprendre les coups de filet, sincèrement. Allô? Oui. Bonsoir, maman. Ah non, on n'intervient pas aujourd'hui, maman. L'intervention sera demain, non. Oui. Ah, ok, d'accord, ça concernait ça, d'accord, maman. Ok, je t'écoute. Pour les États-Unis, oui. C'est toujours mieux dans le style du gouvernement. Mm-hmm. Ça se termine toujours avec GOV. C'est quoi? G-O-V. Mm-hmm. Donc, pour que vous puissiez attirer l'attention des gens là-dessus, oui. Pour que les gens ne tombent pas aussi dans les mêmes arnaques que vous. Quoi. Voilà, pour l'instant, non, le visa. Mm-hmm. Oui, donc, et le second point, c'était par rapport à Istanbul. Mm-hmm. Istanbul, si vous trouvez que Istanbul, c'est un milieu bien, vous avez une voix qui porte. Ce serait mieux de dire aux Camerounais quand tant qu'ils les Africains en général, oui. Tant qu'ils sont à Istanbul, si celui-là trouve son boulot, c'est mieux de rester là-bas parce qu'il n'y a pas une différence entre la Turquie et la France. Ou bien parce que le rêve des Camerounais, c'est d'aller en France. Donc, vous leur dites juste que vraiment vous avez trouvé que c'est beau là-bas, c'est bien et tout, et que les gens cherchent à s'intégrer. Comment faire pour s'intégrer, c'est d'arriver là-bas et aller à l'école. Mmh. Vous comprenez un peu? Ils passent leur temps dans le trou. Non. Donc, c'est mieux d'aller à l'école. Quand vous partez à l'école, ça vous aide tellement. Ils ne veulent pas. Il y a certains qui ont déjà fait même 8 ans là-bas. Même bonjour en turc. Moi-même qui suis partie, voilà. Que l'autre jour, je peux dire que va vite en turc. Pour dire à quelqu'un, voilà, je peux même dire bonjour en turc. Je peux aussi dire à un chauffeur que file vite. Donc, vous voyez un peu, oui. Que pendant vos émissions, là, je peux parler le turc, même le... Oui. Vous attirez l'attention des gens là-dessus. Pour s'intégrer, la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'aller à l'école. Mm-hmm. Et tous les gouvernements, que ce soit européens ou bien turcs ou américains, canadiens, ils ont les écoles pour ça, pour aider les je sais pas, les migrants ou bien, je sais pas. Hey, ils ont une école.